aussi, j'ai un dossier complet, 300 pages. 300 pages de bilan et de statistiques que j'avais préparées à votre intention. Mais en écoutant M. Chalamont, je viens de m'apercevoir que le langage des chiffres a ceci de commun avec le langage des fleurs. On lui fait dire ce que l'on veut. Les chiffres parlent, mais ne crient jamais. C'est pourquoi ils n'empêchent pas les amis de M. Chalamont de dormir. Ouais. Permettez-moi, messieurs, de préférer le langage des hommes. Je le comprends mieux. Pendant toutes ces années de folie collective et d'autodestruction, je pense avoir vu tout ce qu'un homme peut voir. Des populations jetées sur les routes, des enfants jetés dans la guerre, des vainqueurs et des vaincus finalement réconciliés dans des cimetières, que leur importance a élevé au rang de curiosité touristique. La paix revenue, j'ai visité des mines. J'ai vu la police charger des grévistes, je l'ai vu aussi charger des chômeurs. J'ai vu la richesse de certaines contrées et l'incroyable pauvreté de certaines autres. Eh bien, durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à l'Europe. Monsieur Chalamont, lui, a passé une partie de sa vie dans une banque, à y penser aussi. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. C'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose. Pourquoi croyez-vous, messieurs, que l'on demande au gouvernement de retirer son projet d'union douanière? Parce qu'il constitue une atteinte à la souveraineté nationale? Non, pas du tout. Simplement parce qu'un autre projet est prêt. C'est faux! Un projet qui vous sera présenté par le prochain gouvernement. Monsieur le Président, je vous demande la permission de nous interrompre. Ah non! Et ce projet, je peux d'avance vous en dénoncer le principe. La constitution de trusts horizontaux et verticaux et de groupes de pression qui maintiendront sous leur contrôle non seulement les produits du travail, mais les travailleurs eux-mêmes. On ne vous demandera plus, messieurs, de soutenir un ministère, mais d'appuyer un gigantesque conseil d'administration. Si cette assemblée avait conscience de son rôle, elle repousserait cette Europe des maîtres de forge et des compagnies pétrolières. Cette Europe qui a l'étrange particularité de vouloir se situer au-delà des mers, c'est-à-dire partout, sauf en Europe. Car je les connais, moi, ces Européens à tête d'explorateur. La France de 89 avait une mission civilisatrice à remplir. Et quelques profits à en tirer. Il y avait des places à prendre. Le devoir de la France était de les occuper, pour y trouver de nouveaux débouchés pour son industrie, un champ d'expérience pour ses armes. Et une école d'énergie pour ses soldats, je connais la formule. Eh bien, personnellement, je trouve cette mission sujette à caution et le profit dérisoire. Sauf, évidemment, pour quelques affairistes en quête de fortune et quelques missionnaires en mal de conversion. Or, je comprends très bien que le passif de ces entreprises n'effraie pas une assemblée où les partis ne sont plus que des syndicats d'intérêt.